c'est l'un des opéras les plus joués à travers le monde. La Traviata évolue depuis un siècle et demi et fascine toujours. Sur la scène de l'opéra de Monte Carlo, la soprano bulgare Sonia Yoncheva a su donner une nouvelle intensité à Violetta Valeri. J'étais à Paris il y a quelques mois et on m'a offert le livre La Dame aux Camélias. Elle a vécu dans une pauvreté incroyable. Elle avait un père vraiment très sévère. Elle est partie, elle avait 13 ans. Et j'ai trouvé que ce courage de prendre ses valises, enfin, ce qu'elle avait, parce que peut-être elle n'avait vraiment rien, et de partir pour chercher sa vie, pour chercher son futur, son identité, ça m'a fascinée. J'ai pensé à moi quand j'avais 19 ans et je suis partie de la Bulgarie avec mes deux valises et avec quelques sous dans la poche pour chercher la mienne. Voilà. Violetta, c'est une dévoyée, c'est le titre italien. Traviata, ça veut dire dévoyée, en dehors du droit chemin. C'est une prostituée. Et un jour, lui sera fournie l'occasion de quitter le demi-monde pour devenir une femme ordinaire, une femme comme tout le monde, une femme aimée et amoureuse. Et ceci va lui être refusé. J'adore les chanteurs parce que j'aime les voix. Pour moi, les chanteurs disposent d'un instrument très délicat, c'est un fait. Et avec l'orchestre, on doit trouver le moyen de les aider à chanter sur une ligne musicale. C'est comme un merveilleux coussin sur lequel ils peuvent s'appuyer pour faire entendre le mieux possible leur magnifique voix. Je crois qu'il faut avoir trois actrices, oui, parce qu'il faut voir, il faut avoir les trois différentes couleurs de Violetta, celle qui donne le spectacle. Je suis mourante, mais monde, je t'emmerde, je continue à vivre et je survis. Deuxième, vraiment comprendre le conflit de la famille, de la société, de ce qui n'était pas acceptable. Donc voilà le deuxième acte avec le père. Et puis le troisième, quand elle doit mourir, quand elle est absolument faible, mais elle trouve toujours le courage à se lever, à dire mais pourquoi cette force. Donc ce sont trois couleurs différentes de la Violetta que je trouve qu'il faut bien jouer.